Bonsoir à toutes et à tous, et aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui va parler des maps. Comme vous le savez tous, sur Escape from Tarkov, vous allez spawner, vous allez faire vos objectifs, tuer des gens, looter, etc. Et puis pour tout le monde, c'est obligatoire, il faut aller s'extraire. Mais pour s'extraire, il faut forcément connaître les extractions. Hein, quand vous appuyez deux fois sur O, vous allez voir la liste des extractions qui vous sont proposées, celles qui sont ouvertes et celles qui sont peut-être ouvertes. Donc pour ça il faut connaître par cœur les choses. Et pour les débutants c'est pas évident. Pour ceux qui sont même expérimentés, des fois il y a des petits trous de mémoire. Et ben moi je vais vous présenter trois choses, dont une que j'ai beaucoup pratiquée. Pour vous aider à savoir où sont les loots rares, où sont les spawns des cartes, des clés, où sont les extractions SCAV, les extractions PMC, etc. Vous allez voir, c'est un tout. Après, c'est à vous de trier tout ça, et puis vous, bien sûr, vous prendrez les meilleurs pour vous-même. Donc, la première solution, c'est la solution que pour ceux qui ont le temps, qui sont patients et qui aiment bien aussi, hein, ça peut arriver, c'est d'acheter tout simplement les cartes. Donc, vous allez chez Thérapiste niveau 1, donc pas besoin d'être niveau 1 milliard. Et vous allez acheter la carte que vous le souhaitez. Donc normalement, voilà. Niveau 2, c'est interchange. Et après, je crois pas qu'il y en a d'autres. Voilà. Donc vous achetez votre carte. Ça coûte pas très cher. Hein. Vous voyez, 10 000, 18 000, 22 000, c'est pas énorme. Au pire, sur le market, il y a plus moins cher. Et vous allez donc faire clic droit, view. Donc ça entraîne votre air. Voilà, donc ça donne à peu près ça. Et dans ces cas-là, vous voyez que ça, c'est complètement vierge en fait, ça ne donne aucune information. Mais ça va être à vous de le faire vous-même en fait, selon vos envies. Vous voyez, vous mettez ça, vous faites ça. Et en bas, donc loot, locked, important and no other. Voilà, donc en fait, tu mets un peu ce que tu veux et ça apparaît. Voilà, tac, tac, tu vois, tac, tac. Et après, bien sûr, vous pouvez l'ouvrir et quand vous voulez. Et puis, vous voyez un peu ce que vous... Par rapport à vous, c'est par exemple à un bâtiment. Vous voyez, là, je vois des garages. Voilà, je suis garage, donc c'est-à-dire qu'il faut que mon extraction elle est vers là. Voilà, c'est à vous de vous organiser, mais c'est pour les débutants, c'est vraiment pas ce que je conseille. Mais pour ceux qui veulent, parce qu'il y en a qui aiment bien faire ça, voilà, c'est très très bien. Franchement, c'est très bien. Au pire, un screenshot, puis vous faites vous-même sur Photoshop avec vos propres logos, etc. Ça, c'est ceux qui ont l'imagination et ceux qui veulent rendre des services en faisant des choses pour les autres, par exemple. Comme ce qu'on va faire pour la technique numéro 2. La technique numéro 2, non, on va quitter ça. La technique numéro 2, donc ça va être d'aller sur le Play Store ou l'iOS, en fait, et vous allez taper Escape from Tarkov, vous voyez. Vous tapez Escape from Tarkov, et ensuite vous allez tomber sur Escape from Tarkov Wiki. Mais quand vous descendez, vous avez Escape Plan from Tarkov, Tarkov Map, payante, je crois qu'elle est pas chère. Compagnon from Tarkov, et puis Escape Plan from Tarkov sans les pubs, enfin voilà, vous avez plein de logiciels comme ça. Et en fait, vous avez des maps en fait en version mobile directement. Et puis, vous voyez, attendez, je vais vous montrer un exemple. Vous voyez, vous avez les maps avec les extractions, etc. Donc, ça peut pas mal aider si jamais vous n'avez pas deux deuxième écran. Car en fait, il y a une autre technique. En fait, je vais vous présenter quatre techniques, c'est pas trois. La troisième technique, ça va être directement... Tac, vous voyez, ça c'est des vidéos... Spoiler alerte. Et donc du coup vous allez aller sur tac 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 Google, vous allez taper, toi tu reviens, par exemple shoreline, non, on va mettre interchange map, est-ce que waouh, juste Tarkov ça suffit des fois, pas besoin de taper 20 000 choses. Vous allez sur images, si les maps ont été mises à jour récemment, n'hésitez pas à cliquer sur période et vous mettez moins d'un mois, moins d'un an, etc. Tac, vous cliquez. Voilà, puis donc c'est juste à titre exemplaire. Attention, hein, je fais pas dans le détail. Voilà, donc là vous voyez à peu près une map d'interchange avec, vous voyez, avec les zones. Il doit y avoir une légende quelque part sur une autre page. Vous voyez, donc là c'est les caisses, ça c'est Goshan avec les caisses. Là c'est les caisses d'armes avec les éventuels spawns, les noms des boutiques, etc. Et si vous avez un deuxième écran, je vous le conseille de le mettre directement sur votre écran de gauche. Et ça, c'est vachement cool. Donc vous mettez ça sur votre écran de gauche, et puis quand vous jouez, bah, vous allez regarder, voilà, si, ouais, où est-ce qu'il faut que j'aille, vous vous repérez par rapport au bâtiment, etc. Et puis voilà, c'est très très utile. Et pour la quatrième technique, tac, de toute façon, je peux prendre la même, on va prendre celle-là, tiens. C'est quelle map, ça?
Et on va prendre Factory. Est-ce qu'il y a une carte Factory? Ça, c'est marrant, ça. Du coup, pour Factory, bon, c'est pas le meilleur exemple, Factory, parce que... voilà. On va prendre Wood. Wood, elle est cool. Ah ouais, voilà, ça, c'est cool. La quatrième technique, c'est celle que j'ai pratiquée pendant longtemps et que je pratique encore avec Shoreline, parce que, bon, ça, je vous expliquerai à la fin de la vidéo. C'est d'imprimer les cartes. Donc, si vous avez une imprimante, ou si vous au travail, vous pouvez imprimer. Vous imprimez toutes les cartes et vous les accrochez sur votre mur, de la face à votre bureau. Ou là sur le côté, vous pouvez très bien le faire. Et puis voilà, vous jouez, vous regardez, vous les mettez sinon juste à côté, machin, moi j'étais comme ça. Ou alors vous les imprimez, vous les mettez dans un classeur, dans un lutin, vous savez, et puis vous regardez. C'est super pratique, ça équivaut à un deuxième écran quasiment. Et je trouve ça même mieux de l'avoir en version papier, parce que tu sens saloper ton écran, tu mets ton doigt et tout, tu fais voilà, machin truc. Et moi je faisais ça au début, j'ai imprimé machin. Et là ce que j'ai fait avec Shoreline. Parce qu'en fait, pendant, ça fait 2-3 ans que je joue, enfin depuis la sortie du jeu, je joue à ce jeu. Et j'ai jamais aimé Shoreline, donc j'ai jamais fait Shoreline. Attendez, tac. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai commencé il y a une semaine à jouer à Shoreline. Parce que c'est vrai qu'à niveau loot, elle est vraiment cool quand vous avez les clés. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé la map Shoreline et je l'ai mis en 8 pieces, en 8 pièces, donc en 8 feuilles. Donc, c'est-à-dire que c'était zoomé, donc je voyais à peu près les délires. Et du coup, je me repère comme ça en fait finalement. Donc j'apprends à jouer Shoreline doucement. Donc il y a avec la spawn d'esclaves, où est-ce qu'il y a les spawns des cartes, des trucs intéressants quoi, tout ça. Les extractions bien sûr le plus important. Les extractions PMC, les extractions USEC, BIR, même si c'est les mêmes. Les extractions temporaires, les extractions SCAV, pardon. Les extractions SCAV joueurs, SCAV normal, etc. Donc voilà, imprimer c'est super cool. Voilà. Donc c'était un petit conseil, voilà, c'était les quatre conseils que je vous ai donnés. J'espère que ça vous a bien plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez vous des conseils à donner, je vous supplie de mettre ça dans les commentaires. Je vous conjure de le faire. Et abonnez-vous, partagez, le pouce bleu, commentaire, c'est important. Soyez pas timide. Pour le moral de la suite sur Tarkov ou autre jeu, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à une prochaine pour une prochaine vidéo. Banzai.